Salut à tous et à toutes, c'est Oliver Plasma et on est parti pour des vidéos parties. Là, c'est une vidéo partie de Rayman 1, le premier des premiers des premiers des premiers Rayman. Et bien sûr, édité par Ubisoft, comme on peut le voir. Avec la petite musique fantastique. Mais pour moi, c'est... C'est un de mes jeux préférés hein, de l'époque. Mon premier jeu de PlayStation. Un jeu que j'ai vraiment très bien aimé. Salut à tous. Même si je ne l'ai pas fait en entier. Parce qu'en fait, je n'avais pas de carte mémoire de PlayStation 1. Dans le monde de Rayman, car en fait, la PlayStation 1... car en fait, j'avais une PlayStation 2 et donc j'avais des cartes mémoire PlayStation 2. Le problème, c'est que les cartes mémoire PlayStation 2, c'est pas pareil que les cartes mémoire PlayStation 1, donc c'est con. Car un funeste jour, l'horrible Mr. Dark dérobe le grand... On peut voir l'intro qui est très spéciale. Les pouvoirs de Bekila, la fée qui cherchait à le protéger. Les Electoons qui gravitaient autour du Protoon perdent soudain leur stabilité naturelle. Il s'éparpille dans tout le pays. Préoccupant, non? Et en plus, ça venait de l'ordre. Dans le monde à présent déséquilibré, d'étranges phénomènes se produisent. Des créatures hostiles apparaissent, et elles capturent tous les Electoons qu'elles peuvent trouver. Seul un héros peut sauver la situation maintenant. Non? Rayman, à la rescousse! Va, Rayman, trouve et délivre tous les Electoons, puis reprends le grand Protoon à son mystérieux ravisseur. Mais les créatures malfaisantes le laisseront-elles faire? Bon, voilà, une petite vidéo intro, là. Petite... Bon, vous voyez que ce jeu est fait en 95. Bon là je suis sur mon PC donc ça doit pas poser de problème pour la sauvegarde. La carte mémoire bien sûr. Parce qu'avant je faisais avec les mots de passe mais le problème c'est que souvent après je le perdais mon mot de passe. C'est con. Bon alors on va mettre... Oli tout simplement. Car il n'y a pas assez de lettres pour faire PL. Peut-être passer devant lui en fait. Voilà. Avec 3 vies et 5 continues. Et oui, il nous donne 5 continues. Ah, il y a le pourcentage, tiens, je savais même pas ça. Enfin, en même temps, j'avais pas de carte mémoire. Bon, j'espère que l'intro, il y aura pas une deuxième intro. Ah non, c'est bon. Bah, je ne me souviens presque plus, hein. Ça fait longtemps que j'ai plus joué à ce jeu. Bon par contre ça rame pas mal. Je me souvenais pas que ça laguait autant. Peut-être parce que je suis sur mon PC. Et on est parti pour le premier niveau, qui est un niveau très difficile que Fireflav n'aurait jamais réussi à faire. Bon comme je peux le voir, le jeu marche très bien sur le PC. Donc je suis content, comme ça je pourrais vous faire des vidéos de bonne qualité. Pas comme... Le vidéo test de... Enfin, vidéo test. Rétro test, parce que c'est quand même un vieux jeu. Le rétro test de ce Rayman. Car le rétro test de Rayman sur PlayStation 1 qu'on avait fait, était d'une qualité merdique. En plus, on pouvait mettre HD, c'est ça qui était assez drôle. On avait mis HD, mais bon, c'est pas du HD en fait. Sauf que là, ça va être du vrai HD pour vous. Ça va pas être un mensonge et moi je suis heureux de vous faire une vidéo de meilleure qualité qui est beaucoup plus présentable tout simplement. On va vivre des aventures dans ce Rayman. Surtout qu'on va savoir quel est le dernier pouvoir
de la sorcière. Le truc qui m'a toujours intrigué. Ça, comme vous pouvez voir, c'est les checkpoints. Je vous ai peut-être déjà dit dans le rétro-test de Rayman. De toute façon, c'est le seul Rayman qu'on a fait pour l'instant. Yeah! À chaque fin de niveau, il y a le yeah! La classe. Et Rayman se met à parler tout seul. Et la sorcière nous dit qu'elle peut nous donner un nouveau pouvoir. Et il faut savoir que son dernier pouvoir... Eh ben en fait je le sais pas. Et c'est ça qui m'intrigue depuis si longtemps. Bon là le premier pouvoir, on peut donner un coup de poing. C'est même à ce moment là que Fireflav a dit une grosse connerie. Quand on venait d'avoir le pouvoir. Mais j'espère que Fireflav dans nos prochaines vidéos sera un peu moins... parlera un peu moins de cul. Même plus du tout, ça sera peut-être mieux. Car c'est un peu chiant. Et que Fireflav était mieux dans les premières vidéos, là où c'était vraiment des bonnes blagues, des bonnes réparties. Fireflav s'épuise, hein, vous savez. Prendre ça, je défonce ce petit ennemi. Enfin petit, c'est plutôt ceux-là qui sont petits. Bon aussi ils peuvent se cacher, enfin se baisser. Mais bon ils sont tellement baissés que je dis plutôt se cacher en fait. Il fait un beau sourire. Et voilà la première caisse. Enfin caisse. Caisse. Où ils sont emprisonnés. Et, nos petits bonhommes roses. Première apparition des petits bonhommes roses. Je sais pas comment ça s'appelle. Mais on les voit aussi dans Rayman Origins. Car Rayman Origins est vraiment repris du premier Rayman. Et ça fait vraiment plaisir. Car j'ai très bien aimé ce premier Rayman. Même si je l'ai pas fini. À cause des certains mots de passe. J'aurais voulu aller plus loin dans l'aventure. Mais bon, tant mieux, comme ça, ce sera à moitié une vidéo découverte. Pour moi. Comme pour vous, pour ceux qui n'ont jamais fait ce jeu. Oh, quelle esquive! Quel PGM! Et maintenant, on est à la fin de ce niveau avec le... Yeah! Et je me souviens, en haut, il y avait un mot de passe. Oui, voilà, on a droit à un mot de passe. Mais maintenant, c'est sauver partie. Ah bah c'est cool. On va sauvegarder la partie. Si ça marche. Merde, le chat a planté. Alors c'est bon. J'ai encore coupé, hein. Faudra vraiment que je prenne une vraie caméra qui puisse filmer longtemps. Parce que je vous ai dit. Parce que en fait, je peux filmer aussi avec mon portable, mais le son est vraiment ignoble. C'est sûr qu'avec un Nokia, je pense pas que ça va être incroyable. Le son est ignoble, mais par contre, en contrepartie, on peut filmer à n'importe quel temps. On peut filmer pendant une heure. Enfin, parce que... J'ai une très grande carte SD hein, pour faire mes vidéos, un peu logique en même temps. On aurait mieux avoir une bonne carte SD qui a beaucoup de gigas que une carte SD qui a seulement 2 gigas ou 4. Car vous allez peut-être rigoler mais ma carte SD fait 1 giga. Non je rigole. Non ma carte SD fait 16 gigas et... C'est vraiment bien. Là au moins on est sûr d'avoir assez de place pour faire toutes nos vidéos, enfin
pour faire nos vidéos sans avoir un problème, comme par exemple en étant à la moitié de notre vidéo, genre on a fait 30 minutes de vidéo et on n'a plus de place après. Ça serait vraiment con. En plus, ça m'est déjà arrivé une connerie comme ça quand j'avais fait Jackie Chan sur la NES. Donc j'étais obligé de tout mettre sur le PC après. Et j'étais obligé donc de couper en deux la vidéo. Car franchement, je pouvais la faire, elle faisait à peu près 50 minutes quoi, si je la faisais en entier. Et je vous ai déjà fait plusieurs vidéos de 50 minutes. Même si ça fait pas très longtemps qu'on fait des vidéos très longues quand même. Normalement on fait des vidéos avec Firefly de 20-30 minutes, ou 30 minutes c'était le grand maximum. D'habitude c'est même 10 minutes ou 12 minutes. Mais bon, là ne vous attendez pas une vidéo très courte, car ça va être des vidéos parties de ce magnifique Rayman. Et je suis touché. Je me suis fait toucher, c'était magnifique aussi. Là c'est une petite phase assez différente, je sais même plus si je vous l'avais montré dans la vidéo, dans le vidéo test, enfin rétro test. Enfin si, je pense. Ah si, on était allé plus loin, on était allé jusqu'à l'eau qui monte là. Bon, je vous dirai quand, à partir de quand, au jeu, je ne connaissais plus trop les niveaux. Enfin que je ne connais plus les niveaux. Je parle mal. Merde, merde, merde. Et ouais. Voilà, quand on fait n'importe quoi. J'aurais dû le foncer dessus et perdre de la vie, mais j'ai préféré essayer de l'avoir, mais c'était pitoyable. Bon, j'espère que je jouerai mieux pour les autres niveaux, parce que là on est dans le premier monde. Et dans le deuxième monde, ça va être beaucoup plus dur. Même dans ceux d'après. Je me souviens, je crois que j'étais allé jusqu'au monde de la montagne là. Rocailleux, là. Enfin c'est. Il y avait aussi un monde avec des crayons, je crois. Ouais, et le deuxième monde, je m'en souviens quand même assez bien. C'est quand il y a plusieurs instruments de musique. Un monde assez beau, assez sympathique à l'œil. Mais bon, en même temps, on est sur PS1. L'esquive de beau gosse, et je me suis fait toucher juste après. Bon là vous croyez que j'allais vite, que je vais vite, mais en fait on va à 1 km/h et je me suis fait toucher. Mais en fait on allait tellement vite que j'ai pas vu les pics arriver. C'est n'importe quoi, en plus au rétro test j'avais réussi du premier coup. Si ça se trouve, j'ai perdu... J'ai perdu ma technique de PGM. Enfin, j'ai perdu mes habitudes tout simplement. En même temps, en jouant à Far Cry 3, c'est sûr que c'est un peu différent. Le jeu est assez ressemblant, mais c'est un peu différent. Oula. Moi je joue aussi avec les flèches, car je crois pas que je puisse jouer avec le stick directionné. Non, ça marche pas. Donc, oui. Speedy Gonzales, vais-je réussir? Bon, de toute façon il me reste 4 points de vie, donc si je réussis pas, franchement je sais pas comment je fais. Mais de toute façon c'était impossible de mourir. C'est avec 4 points de vie et je vous laisse le magnifique yeah. Voilà, la fin de ce niveau et le début d'un nouveau pouvoir. Mince, j'ai mis en pause.
un pouvoir fabuleux. Et grâce à ce pouvoir, on peut s'accrocher aux plateformes, tout simplement. La musique Disco & Co. Là, le premier niveau du monde 2. Mais moi, je préfère continuer le monde 1. Pour le finir totalement. Et on va voir ce magnifique personnage qui se cache sous les fleurs. Et même Firefly a dit une grosse connerie aussi ici. Vous devez savoir si vous avez vu le best-of. Ou tout simplement si vous avez vu... Si vous avez vu le rétro-test. Donc là on a un nouveau truc, on peut... Avec cercle on peut... Comme vous voyez, planter des... Je sais pas trop ce que c'est, mais on va dire que c'est des plantes. Pour qu'on puisse aller dessus. Je vais essayer d'avoir celui-là. Je pense que pour compléter tout le jeu en entier, il faut tous les avoir. Mais je sais pas si je vais le faire avec vous, ça. La musique stressante. Vais-je réussir? Ça sera su dans le prochain épisode. Non, je rigole. Vous croyez tout de même pas que la vidéo allait déjà se terminer? Toujours avec son rire de maniaque. Ah là, je me souviens, quand on fait ça, il y a une vie qui apparaît. Non. Bon, d'accord. En fait, elle apparaît vraiment au dernier moment. Elle brille. Quelle splendide vie. Mais je l'ai pas eu. Elle me narguait. Sur la tête. Une animation sympathique aussi, quand on les écrase. Enfin, quand on leur met une prune sur la tête. Vraiment au niveau des animations, ils ont vraiment très bien travaillé. Rayman est très bien animé. Comme vous voyez, quand il retombe, quand il tape. Mince. Et aussi quand il se fait toucher. Bon, et aussi, regardez les ennemis, là, ils sont vraiment pas mal animés aussi. Avec les yeux, là, qui... Merde. Tombé dans la flotte. Il me reste plus 4 vies. Oula. La fleur qui danse. Ça donne un côté loufoque des Rayman. Déjà un petit côté loufoque hein, dans ce premier Rayman. Ce sera encore plus débile après. Bon, je vais tous me les faire. Comme vous voyez, l'IA est assez absente. Enfin bon, dans la plupart des jeux de plateforme, c'est comme ça. Les plateformes en 2D. Là, je vais essayer de faire un truc que j'ai jamais fait. C'est de balancer ici. On va voir si ça marche. Oui, c'est pas mal. C'est une bonne technique. Et par contre, la cage, je peux pas trop la voir ici. Le Year qui a la classe. Comme d'habitude. Oh non! Bon, c'est très bien parti. Bon, je vais remonter parce que sinon je vais crever. Toujours des musiques apaisantes hein, dans ce Rayman. Wow.
Et voilà, niveau bonus. Comme ça, je pourrais vous montrer le niveau bonus. Parce que je pense pas que je vous en ai montré... Je vous en ai fait montrer des niveaux bonus dans le rétro test. Tout simplement, et ben, on gagne une vie quand on fait le niveau bonus. Parce que je crois que dans le rétro test, j'avais dit une grosse connerie. Je disais que c'est pour avoir plus de... De points, de trucs bleus, là. Mais c'est pas du tout ça. Merde. Oh non. Bon bah... Tant pis. Vous avez pas vu l'intégralité du niveau bonus. Bon, de toute façon, une vie, hein. Bon. Il y en a des vies. Et en plus, il y a des sauvegardes, donc voilà. On est tranquille. Même si ce jeu est quand même considéré comme dur. Bien avec des sauvegardes, c'est assez différent. Bon bah cet ennemi est invincible, décidément. Mais bon, on peut passer le niveau sans qu'il s'en rende compte comme ça. L'antre de je sais plus quoi. On va être contre un boss, je crois. Si je me souviens bien. Ah oui, ce niveau purée, qu'est-ce que j'ai galéré à ce niveau. C'était un niveau assez chaud. Avec pas mal d'étoiles de mer. Rouge, car... Bon, je sais qu'il y a des enfants qui regardent la vidéo, donc... C'est du ketchup qu'il y a dessus. C'est du ketchup qu'il y avait dessus sur ces magnifiques étoiles. Je joue pas mal. Je viens de louper la cage d'en bas, mais c'est pas grave. Je crois qu'on pourra sprinter hein, comme pouvoir après. Enfin j'espère. Parce que Rayman est assez lent. Bon je dis pas qu'il est rigide, hein, il est quand même très maniable, mais... On n'avance pas vite et je suis tombé. Il y a un gros lag. Ah c'est bon. Bon. J'avance à 2 à l'heure. Bon, l'épée qui sautille, c'est juste pour avoir un point de vie en plus. Alors que l'épée tout court, c'est encore mieux. Ça augmente notre barre de vie et ça... Ça la remplit au max. Je me suis encore planté. Ah, parce qu'il n'y a pas d'étoile de mer. Ils se sont vraiment amusés, hein, les développeurs, à mettre énormément d'ennemis ici. Ils doivent vraiment s'amuser. Ouais, ça c'est un ennemi qui rote quand on le touche. Ouais, les ennemis sont toujours aussi loufoques hein, dans ce Rayman. Bon, on sait même pas ce que c'est, les bonhommes noirs. Enfin, si, c'est les bonhommes roses, mais qui sont en noir. Les côtés maléfiques des bonhommes roses. Non. Tombé. Enfin, on l'a remarqué. Attention. Là, il n'y a aucune musique. On entend juste des bruitages. Bon, ça rend assez bien dans le jeu. Dans l'immersion du jeu.
Oh, attention. Je me suis planté. Plus qu'une vie. C'est pas terrible, mais c'est mieux que rien. Quand même faire pas mal de die and retry dans ce niveau. Il faut faire gaffe à l'étoile de mer. Il y a du ketchup dessus. Oui, il y a du ketchup. Hein. Je ne mens pas. Plateforme qui tombe, ça on en a l'habitude. J'ai eu de la chance. Ces ennemis sont chiants parce que non seulement ils sont petits, bah donc j'aurais du mal à les avoir, mais en plus bah, ils nous repoussent, enfin bon, un peu comme les autres ennemis en fait. Une cage avec les bonhommes roses qui ressemblent à des pet shops. Comme vous voyez, le photographe a une de ses gueules. Merde. Je crois que je viens d'écraser un bonhomme rose. Ah non. Ouh là là. Là c'est vraiment chaud de ces... de chez... chaud. Le rire de maniaque. Et à partir de maintenant, on va l'appeler Jack rire de maniaque. Oula, ça commence bien avec lui. Bon, j'ai mis en pause parce que, comme vous savez, je capture que 10 minutes pour le son. En fait, il y a un truc que je comprends pas trop dans cette histoire, c'est que c'est notre ami, enfin vous savez, qui nous a transporté l'espèce de... On va dire que c'est une mouche, enfin... Ouais. De libellule, on va dire, oui, plutôt. L'espèce de libellule qui maintenant veut nous tuer, alors qu'avant, bah, il voulait aussi nous tuer, mais quand on l'avait battu, il était devenu notre ami. Et là il vient de me tuer, donc c'est pas très logique l'histoire. Faudra m'expliquer. Je vais donner toute la colère d'Oreman dans ce point. Ça a rien fait. C'est passé au travers. Attention là. Ça va vite, ça va vite, ça va vite. Le scrolling part assez vite. Là, je suis au bord de la mort. C'est juste à côté de cette connerie. Mais j'ai réussi comme un dieu. Et oui, comme quoi il n'y a pas besoin non plus d'entraînement dans ce jeu car Rayman est très maniable. Je dis ça et je tombe. Les continues, vous allez voir comment ça se passe. Il y a une petite animation hein, dans les continues. Il y a
D'un côté, game over, manettrice, tout ça. Et le côté où il y a continue, où on recommence, et tout est rose, tout est bleu, tout qui va bien. Un petit côté marrant, hein, comme d'habitude. Merde. Bon, si ça continue comme ça, je pense pas qu'on va aller jusqu'à la fin. Ouais, c'est assez chaud quand même ici. Avec l'étoile, avec avec du ketchup, j'ai failli dire. Ah, et en dessous une vie, mais que je sais pas comment attraper, donc je m'en fiche. Avec le yek à la classe. Et voici un boss, un peu du même style que le premier boss que je vous avais fait avant. Et aussi dans le rétro test. Surtout que Fireflame n'arrivait pas à battre ce boss. Alors que c'est un boss ultra easy. C'est plutôt celui-là qui peut être un peu plus dur. Mais bon, c'est pas non plus un boss incroyablement dur. Et vous remarquerez la magnifique animation de Rayman quand il a peur. C'est quand on fait rien, ça. Oula. Oui, cet ennemi fait ses attaques dans l'ordre. Vous allez voir qu'il va faire la même chose après. Pour ces machins rouges. Il y a du ketchup dessus, oui. Croyez-moi. On est dans Rayman, il peut y avoir que du ketchup. Bon, lui, il est très facile à esquiver. Hein. Il n'y a plus de musique. Enfin, c'était parce que c'était une musique orchestrale et... Souvent, les musiques orchestrales s'arrêtent et ne continuent pas en boucle. C'était des musiques sur les disques tout simplement. À l'époque c'était ça. Car maintenant il peut y avoir des jeux même en orchestral, mais les musiques continuent tout au long du parcours. Quoique où si ça se trouve c'est juste un bug en fait. Parce que je viens d'entendre la musique qui est repartie et qui s'est encore arrêtée. Vous voyez quand même, ce boss n'est pas non plus incroyablement dur. Quand on connaît ses attaques. Même le niveau 1 était plus dur. Non, j'exagère quand même. Bon, on voit que Rayman est heureux et que 2 secondes après, il a peur. C'est assez étrange, mais voilà. Ah, la musique qui repart et qui s'arrête. Je me souvenais que ça ne faisait pas ça quand j'étais sur ma PlayStation. La musique continuait. Donc je pense réellement que c'est un bug. Mais bon, j'espère qu'il n'y aura que des petits bugs comme ça et pas carrément le jeu qui va friser. Je viens de vaincre ce boss incroyablement dur. La libellule rouge. Ce fut un périlleux combat. Et Rayman danse.
Il est content, même s'il vient de battre une libellule. Bien joué, Rayman, mais les pièges plus périlleux encore t'attendent. Ceci pourra t'aider à éviter le pire. C'est-à-dire... Je ne préfère pas t'en parler. Tu peux balancer des objets avec ton poing. Et voilà, je peux maintenant saisir les espèces de... Bah, les trucs que vous voyez en haut. Des anneaux, voilà. Ça ressemble pas à grand chose, mais... C'est utile pour avancer dans l'aventure grâce à ce pouvoir. Yeah! Le yeah qui tue. Donc voilà, on a fini ensemble le premier monde. Donc, je pense pas que la vidéo va continuer encore longtemps. Je vous ferai la deuxième partie de Rayman 1. Mais on continue quand même un peu. Avec Rayman qui est content de jouer du piano. Car oui, ici, on est dans le monde de la musique. Avec l'une de mes musiques préférées de Rayman. En fond, que vous pouvez écouter. Une très bonne musique, je trouve. Ça nous met parfaitement dans l'ambiance, dans l'ambiance de Rayman, tout simplement. Pour avoir les trucs d'en bas, je crois qu'il faut faire... Bon, je prends le risque, parce que, de toute façon, il me reste pas mal de vie. Enfin, ça. Donc, faut faire... Attends, il y a un truc en bas, là. Oh. En fait c'était rien. C'était un truc en bas mais il fallait pas y aller. Bon, je récupère le P qui nous redonne toute notre vie. Merde. Bon, je crois qu'il faut juste foncer comme ça. Oula. Ah oui, c'était vraiment au pixel près. Bon, par contre je peux pas aller là-haut. Non. Bon bah tant pis. Aussi on peut avancer quand on est par terre. C'est assez utile. Ah, vous voyez aussi la magnifique animation du... Bah, de la flûte, on va dire. La main de la flûte. Ah, mais c'est toujours aussi loufoque. Avec une skin énorme en haut là que vous pouvez voir. Enfin, vous pouvez à peine voir mais moi je sais comment elle est cette skin. C'est voilà, une batterie. Et quand on saute dessus, ben, on entend la batterie bien sûr. C'est assez bien fait les bruitages. Franchement, n'écoutez pas Fireflav qui fait que de dire que les jeux rétro sont pas terribles. Car vraiment des très bons jeux rétro comme celui-là. Enfin même moi je préfère les jeux rétro que les jeux d'aujourd'hui la plupart du temps. C'est des jeux où on s'amuse beaucoup plus. Et en gros c'était mieux avant quoi. C'est un peu pareil pour les Crash Bandicoot par exemple. Les premiers Crash Bandicoot étaient mieux avant. Enfin... Je n'ai pas encore essayé le 2 et le 3 là. Que je viens d'avoir. Et... Je vais me tâter de les essayer. Mais sinon le 1, c'est un très bon crash. Que je vous recommande. Avec le magnifique. Hein, que je vous recommande d'avoir tout simplement. Et... Merde. Petite abeille, je crois qu'on peut pas les tuer ceux-là-ci. Peut-être que si, mais... Ah oui, on peut les tuer. Oui, on les tue, mais au bout de quelques coups. Ça dépend de la puissance de notre coup de poing. Bon, là, je suis en gros mode galère, là. Bon, c'est quand qui crève, celui-là? Oh, purée.
sont résistants, c'est fou. Petite musique de batterie en fond, c'est assez sympathique. Toujours des petits bruitages sympathiques dans les Rayman. Ça change pas. Ça nous met vraiment dans l'ambiance hein, un peu enfantin et un peu bizarre de Rayman. Surtout que c'est encore plus étrange avec les lapins crétins maintenant. Même si moi je n'ai pas trop aimé cette nouveauté. Je préférais les Rayman comme avant. Hein. Mais heureusement ils en font des Rayman comme avant. Les Rayman origine. J'essaye d'avoir le P au-dessus, mais je sais pas si je pourrais l'avoir. Faut déjà que je tue ses ennemis à 2 balles. Oh purée, il y en avait un autre. Bon bah... En plus j'étais à la fin du niveau, c'est trop con. J'aurais pas dû... J'aurais dû rester à ma fin et ne pas prendre cette putain de... Enfin cette purée de... Il vaut mieux rester poli. Bon d'accord. On s'enfuit. Parce qu'on est des peureux. Le petit serpentin. Des bruitages vraiment sympathiques. Mais vraiment dans l'ambiance, c'est sûr. Et je suis tombé. Ah, il y a aussi une animation assez conne, oui, quand il se fait toucher par ces trucs là, ces notes de musique piquantes là. Et bah il il a mal au derrière, on va dire. Il a un peu souffert. Un peu comme Mario, vous savez, quand il tombe dans la lave. Surtout qu'on voit ça dans Mario 64, que je vous ferai en vidéo, test, car je l'ai sur DS, mais je me suis pris sur émulateur sur Nintendo 64, et graphiquement il est mieux sur DS bien sûr, mais sur Nintendo 64 je n'ai pas du tout avancé là pour l'instant, juste pris comme ça c'est pour faire un vidéo test tout simplement. Car je pense pas que trop que je ferai beaucoup de vidéos test sur la DS. Enfin, quoique depuis que j'ai trouvé un émulateur DS, je reprends mes jeux de DS et puis c'est bon. La qualité est pas mal mais je peux encore tester la longueur du truc. Parce que... Merde. Parce que il faut faire une certaine... une certaine longueur de la vidéo. Si... Ce que je filme pas avec un logiciel, je filme, c'est l'émulateur qui filme. Et j'avais essayé pour la NES, mais bon, ça faisait que de bugger, et au bout de 2 minutes, quoi, de vidéo, donc c'est de la merde, quoi. Donc j'espère que ça va pas faire pareil pour la DS, parce que là, c'est ma seule chance, parce que, je pense pas qu'il y ait un autre truc pour filmer. Quoique, j'ai pas testé Bandicam sur la DS. Je mets toute ma force dans ce point. On se croirait dans Dragon Ball Z. Comme vous voyez, le niveau n'est pas totalement linéaire. Hein. On peut aller dans plusieurs passages. Des passages secrets, souvent. Où il y a pas mal de bonus, comme le P, ou... C'est-à-dire le point de vie. Ou la cage que je viens de louper. Bon là je suis à peu près à 50 minutes je crois. Donc on va pas tarder à arrêter. Parce que 50 minutes de vidéo HD, ça va pas trop le faire pour le chargement après. Surtout que j'ai une connexion assez pourrie.
Merde. Bon. C'est très très bien parti. Je pense qu'on va se le faire les doigts dans le nez, hein, ce niveau. Bon, il faut que j'ai cette abeille de merde. Ah ouais, c'est bon. Elle a sauté dans le vide. Ça fait penser au Goomba. Comme vous voyez, c'est vraiment au pixel près. Là, je viens d'avoir le bonus. Magnifique. On peut taper plus loin. Enfin, envoyer notre point plus loin. Car on voit une espèce de truc fusé. Enfin, une espèce d'énergie derrière le point. Qui donne cette puissance irréalisable. Bon, là je vais pas me planter. Ah non, c'est pas ici que je me plante en fait. C'est plus loin. Oula, c'est... J'ai failli me planter ici, ça sera un peu comique. Bon, pour l'instant ça va. Et merde. Bon. Je me souviens en plus que j'avais énormément de mal à ce niveau-là. Je crois qu'on est au continu. Ah non. Je l'ai eu. Et c'est magnifique. Et parce que quand on se baisse, et ben le point se baisse avec nous, donc c'est plus facile pour avoir la petite moumouche. Oh, vous voyez aussi une dizaine des yeux qui est assez délirant. Des développeurs. Franchement, c'est... C'est vraiment loufoque et c'est ça que j'aime dans les Rayman. Et aussi, bien sûr, le plaisir d'y jouer. Car franchement, c'est... Tous les Rayman sont fun. Un peu moins les lapins crétins, bien sûr. Je me suis fait un peu plus chier, mais... Bon, surtout, ils sont surtout faits pour le multijoueur, en fait. Mais même en multijoueur, je vais essayer. Et... Bon, c'est pas un jeu que je referai à chaque fois. Je vous ferai un vidéo test des... Rayman et les lapins crétins, j'ai sur Wii, j'ai Rayman et les lapins crétins, et Rayman et les lapins encore plus crétins. Et celui encore plus crétin, bah, il est un peu moins bien je trouve. Il y a pas mal de mini-jeux, mais son mode histoire est moins intéressant on va dire. Et puis les mini-jeux sont un peu plus simples. Là, comme vous pouvez le voir, c'est un niveau assez particulier, je me suis planté. Il faut céder du serpentin là, qui se met en fusée. Voilà. Comme ça, on peut monter. Donc c'est un niveau en altitude, on va dire. Un niveau au scrolling vertical. Ah, ça c'est pour rebondir, les nuages comme ça. On peut pas savoir quels nuages sont différents parce qu'ils ont tous la même skin. Là ça devient chaud. Bon, je crois qu'il y avait des bonus à gauche mais c'est pas grave. Il y avait une cage. Mais je m'en fous. Car je suis cruel. Et je ne vais pas délivrer les petits bonhommes roses. Oh, vous pouvez voir que j'ai un corps d'athlète. Ça fait vraiment classe. Merde. Attention aux ennemis. Ah, ils apprennent à faire l'hélicoptère avec leurs cheveux. Un peu comme Rayman plus tard. Bon, j'aurais peut-être pas dû vous le dire. Je suis tombé. Parce que c'est un pouvoir qu'on va récolter plus tard. Voilà, c'est la fin du niveau. Je vais prendre le P parce que ça sera peut-être mieux avec. Yeah! Bon, je pense que je ferai encore 5 minutes et je pense que ça va être bon.
Ah quoique, peut-être encore une heure avec ce niveau-là. C'est un niveau assez difficile aussi celui-là. Surtout avec les yeux qui nous balancent des éclairs. Bon, on verra, ça sera une vidéo freestyle de toute façon. Mais c'est ce que j'aime dans les vidéos parties. Déjà que j'avais fait ça dans Sonic. Enfin... De toute façon j'en avais pas fait beaucoup des vidéos parties. J'ai fait que les vidéos parties Sonic. Sinon après c'est... Une vidéo partie d'Indiana Jones, ouais il y en avait deux où on avait parlé, mais sinon c'était juste filmé avec Fraps, c'était du gameplay plutôt. Et pareil pour Far Cry, enfin Far Cry on n'a jamais parlé encore. On avait fait un vidéo test avec Fireflav de Far Cry, mais on va pas la mettre en ligne en fait parce que c'est la qualité est minable. C'était filmé avec une caméra sur l'écran de l'ordinateur. C'était à l'époque quand... Quand on n'avait pas encore de logiciel. Puis on s'est rendu compte que c'était nul et voilà. On avait fait pourtant un bon vidéo test, on avait bien parlé du jeu. Mais... Oula, là je galère à voir ce con de... Comme c'est pas vrai. Peut-être que je m'avance. Ah non c'est bon. Il allait juste me foncer dessus. J'ai cru qu'il sautait. J'ai cru qu'il allait nous avoir avec sa mâchoire. Enfin, vous savez, dans le premier niveau, il y en avait des comme ça. Enfin, le premier monde. Je vais aller là-haut. Parce que je sens que c'est mieux là-haut. Ah non, en fait, j'ai rien dit. Ennemi battu, en plus une one-up, ça fait du bien, ça fait plaisir. Et quand on ramasse une one-up, je vous l'ai pas dit, mais on a toutes nos vies, on est full vie. On peut perdre toutes nos vies. Super animation aussi quand Rayman tombe. Enfin pas comme Rayman tombe, mais quand il s'apprête à tomber. Je vais vous montrer cette animation, si je peux. Bon, je vous montrerai dans le niveau d'après. La classe. Bon bah... On va continuer, mais à la prochaine sauvegarde, enfin c'est-à-dire quand le niveau sera fini, ce niveau-là, eh bien on pourra... Bah je pourrais arrêter la vidéo. Et bien sûr, continuer pour la deuxième partie. Et merde. Je pense qu'il y aura pas mal de trucs dans le best-of, hein, cette vidéo. Toujours les bruits de tambour. Qui montent très bien dans le niveau. Purée, mais à chaque fois je me fais avoir. Un ennemi qui est chiant. En plus deux, continue. Si jamais je perds tous mes continues que je dois recommencer ce niveau, bah... Et bah vous aurez la deuxième partie de la vidéo qui sera la même chose que la première partie de la vidéo. Ça sera assez ballot, mais bon. J'ai envie de faire... Merde. J'ai envie de faire 100% Rayman 1 avec vous. Enfin, 100%, je dis 100%, mais... 100% bah, jusqu'au boss final, parce que... Pour les bonhommes roses, je pense pas que je vais tous les récupérer. Je vais faire ça en voix off. C'est-à-dire en ne faisant pas de vidéo. Merde. Voilà, là c'est stressant là. Ah, ça c'est une petite particularité. On devient petit quand on touche ces trucs là. Tout
toujours mon corps de beau gosse quand on se prend en photo là. La flûte qui ne marche pas. Il n'y a plus de musique. Mais ça c'est normal parce que je me souviens, sur mon PlayStation ça faisait pareil. Il n'y avait plus de musique au bout d'un moment quand c'était ce thème là. Ça me donne envie d'y aller mais en fait j'ai pas envie d'y aller. Il y avait peut-être un bonus mais bon. Un peu chaud à récupérer je pense. Ah et là on est contre un espèce de boss. Bon il ressemble un peu à rien. Toujours une gueule loufoque. On peut pas décrire la gueule des boss sérieusement. Ah, il y a un nuage. Purée. Voilà. Je vous ferai peut-être quelques vidéos best-of, ouais, parce que il y en avait... Il y avait quelques blagues que j'avais faites dans... The Legend of Zelda Wind Waker et... que j'avais oublié tout simplement, en faisant le best-of 2012-2013. Ah, magnifique animation. Assez énorme avec la voix digitalisée. Ce fut un périlleux ennemi qu'on n'a pas combattu tout simplement. On s'est enfui. En fait c'était pas un boss, c'était bah, un ennemi tout simplement. On ne pouvait pas tuer et là et bah, je vais vous quitter parce que je vais sauvegarder la partie donc sur ce je vous dis à la revoyure pour de nouvelles aventures et on se retrouve dans la deuxième partie.